Zami famille nous la gaillo, comment nous y est? Nous espérons que tout le monde en forme. Jeudi, c'est 4 novembre 2024. Nous allons regarder ensemble l'élément de formation yo, côté que Gary Koni, donc Gary Won. Gary Koni Pavli travaille avec 3 conseillers qui inculpés par rapport à ULCC. Gary Koni m'a dit CPT, il exige CPT, nettoyer la gaillo. Eh bien, nous avons parlé que Gary Koni a gagné avec un membre population dans 15 coffres. Samedi qui saute passé là donc en déclaration li donc t'as semblé que Gary Koni li parle de travail avec 3 conseillers ça qui inculpé dans dossier BNC donc pendant ti causer ça avec population eh bien Gary et Koni li invité conseiller donc pour prendre disposition pour nettoyer la Kaili li mande CPT1 pour prendre décision ça donc sous sort 3 conseillers ça yo Louis Gérard Gilles Smith Augustin avec Emmanuel Vertilaire qui d'après et PM nan inculpé nan scandale corruption et BNC donc pour débloquer situation mais CPT1 doit prendre yon décision sur cas conseiller sa yo qui accusé selon décret 10 avril 2024 là qui créé conseil la. Donc c'est responsabilité CPT1 donc pour prendre yon décision comme ça déclaré Gary Koni zami famille nou yo. Yon réunion entre conseil présidentiel ak Gary Koni eh bien li prévoit jodi lundi hein. Donc pour préparer prochain et conseil et des ministres si ça a pas arrivé fait mercredi capable venir mais réunion ça li risque aller dans mauvaise direction à cause dernière déclaration que chef gouvernement les mêmes qui mandé avec et conseil donc pour mettre 3 accusés ça yo mettre yo dehors. Donc, toi accusé unité lutte contre corruption ULCC donc inculpé dans rapport là pour remettre 3 monsieur ça yo de yo zami famille nou yo. Eh bien nan intervention que Pierre Espérance qui c'est directeur et NDDH a fait sur Gazette Haïti 29 octobre 2024 qui sort passé là côté que li te dit et remaniement ministériel ou bien révocation ministre pas qu'a fait avec 3 conseillers sa yo donc qui cité dans scandale ça donc directeur exécutif et NDDH là basé sur décret qui créait conseil transition et côté que li est précisé donc inéligibilité pour n'importe moun dans conseil là n'importe membre dans conseil qui subit accusation au soit poursuite pénale li insister que conseiller sa yo qui accusé en pas doit continuer engagé yo dans affaire l'état donc c'est même position que leader parti EDA Claude Joseph que même rivé et mandé ministre li dans gouvernement pour suspendre participer dans et conseil des ministres avec 3 conseillers sa yo zami famille a noue la kayo. Donc en plus loin noue que gagné bureau intégré Nations Unies donc il s'est binu il déclarait que rapport ULCC sorti sous 3 conseillers qui inculpé dans rapport BNC donc c'est un effort ak initiative autorité judiciaire haïtienne yo pour yo bataille contre impunité dans pays d'Haïti zami famille nou yo. Bien Gary Koni dans intervention que li te fait dans 15 conf lan eh bien li et bay plusieurs points avec un conseil là donc pour que yo exécuté. Donc premièrement, il mande publication accord 3 avril là qui n'est pas jamais publié accord 3 avril là, création Conseil national de sécurité, nous pas pour qui raison que yo pas voulu former. Donc conseil ça, nomination directeur général yo, installation de l'OTAG, eh bien cinquièmement décision pour mettre 3 nexayo de yo non. Conseil lans amis famille nous. Donc tout à l'heure que nous allons faire autant de déclarations que Gary Koni lui-même ni fait. Donc Gary Koni pendant jeudi en convocation li en villa d'accueil, il va parler tout sur question de mercenaires qui est dans pays. Eh bien mercenaires ça yo que Gary Koni il porte précision, mais faut que nous dire que gagné ministère de la justice qui bail explication qui bail détail sur présence membre Stoller Baker Group dans pays. Donc d'après ministre Telan, compagnie sécurité ça a travaille souterrain dans cadre yon programme formation ak monitoring qui visait pour renforcer capacité agent PNH officiel PNH yo. Donc partenariat ça
concentrer seulement sur conseil et mentoring. Donc nous avec le ministère en li cité nos compagnies ça bon que seulement t'a parlé de mercenaires et bien là n'a chercher information donc en sous et compagnie de sécurité ça aux États-Unis et bien nous allons voir qui ça que nous joignent. Premièrement non Studebaker Group là c'est pas première fois li cité donc non et bouche autorité donc dans pays d'Haïti. Donc c'est première fois que donc autorité haïtien yo a caressé l'idée pour engager compagnie Studebaker Group. Eh bien Studebaker Group qui c'est Defense Group qui c'est une compagnie de sécurité donc qui basé aux États-Unis qui fait partie du groupe international Studebaker Group. Groupe ça opéré dans divers secteurs tant que défense, intelligence avec support infrastructure qui critique yo bail service spécialisé et spécialisé donc pour clients privés avec gouvernement spécialement dans zone qui risquée en pile mission yo inclut supporter sécurité avec stabilité dans région qui gagne en pile tension à travers collaboration avec solution directe sous terrain. Donc dernièrement compagnie sans amis famille Anouela Kayo te fait actualité dans pays d'Haïti après réunion avec officiel haïtien yo tant que premier ministre Ariel Henry pour discuter sur possibilité pour collaborer dans une réforme sécurité dans pays. Engagement ça a montré mission groupe là pour aider dans sécurité et stabilité et opérationnel dans zone côté gain en pile défi yo n'a pas avancé nan quelques sous qui bail détail sur partenariat Studebaker Group à gouvernement haïtien. Eh bien gagné 100 ans sous recherche économique et politique qui c'est CEPR. Rapport a décrit une réunion entre officiel Studebaker avec premier ministre haïtien nan ambassade Haïti dans Washington DC côté que yo te discuté sur possibilité pour faire réforme dans sécurité Haïti. Donc réunion te gain la donne l'autre acteur privé qui te a essayé aider dans secteur sécurité. Deuxièmement, nous gagnons projet information Canada Haïti. Donc article qui était sorti sur plateforme ça li expliquer qui gens que groupe sécurité Studebaker t'est rencontré avec officiel haïtien yo et puis t'est voyagé dans Port-au-Prince pour discuter sous initiative sécurité bien que pas gain yon contrat formel qui t'est confirmé dans moment ça yo exprimé sous inquiétude sous manque supervision publique sous partenariat ça. Donc ça c'est deux sources que nous baos ami famille Anouela Kay qui t'est parlé de rencontre que autorité donc haïtienne ont fait avec et compagnie de sécurité là. Donc avant que nous rentrions avec Gary Koni quelques Gary Koni les mêmes engagé compagnie de sécurité ça donc on garder qui ça que société ça y est qui ça nous joindre vraiment de compagnie Studebaker Group qui a opéré dans plusieurs régions internationales qui gagne là-dedans donc Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, il a opéré en Europe de l'Est, Moyen-Orient et bien à Asie Sud-Est. Donc en présence géographique ça donc en permet yo offrir une variété de services avec expertise spécialement dans solutions logistiques complexes avec défense donc qui adapté à défi unique yo donc en fait face dans secteur gouvernement à secteur privé. Donc opération yo donc concentré sur bay support spécialisé dans domaine dans intelligence donc en sécurité donc en cybernétique avec service qui a rapport avec défense ça facilité par réseau professionnel qui très bien formé donc qui sorti dans domaine intelligence force l'ordre et ak militaire. En plus de ça, yo bay priorité sous infrastructure critique ak sécurité personnelle assurer que client yo recevoir solution complet ak efficace. Donc pour plus information, donc en sous opération ak service, yo ka explorer, nous ka aller sous site officiel yo, donc en soit sous plateforme et donc qui couvre donc sujet défense sécurité internationale. Eh bien nous que gagné et 7 grands points qui caractérisaient donc en Studebaker Group
bien Studebaker Group est une compagnie multinationale qui est renommée pour expertise li. Donc dans secteur tant qu'au défense, je ne t'ai pas dit tout à l'heure, intelligence cybernétique. Donc aviation avec service critique pour mission, bien groupe là li opérer donc avec une mission donc pour bailler solution complète. Donc pour client et donc privé avec gouvernement donc dans monde là dans environnement qui est vraiment et complexe et bien c'est un grand point ça yo donc qui c'est aviation côté que yo bay solution aviation qui complet donc qui inclut formation logistique avec modernisation et pour plusieurs et plateforme avion c'est-à-dire drone ou bien et l'autre avion hélicoptère que yo ka gagné. Deuxièmement, investissement, donc dans capital, investi dans technologie, spécialement dans secteur aviation, défense et intelligence. Donc, yo investi dans secteur aviation, et défense et intelligence. En troisièmement, donc, yo géré question de sécurité cybernétique, là, donc, offrir une solution avancée dans et sécurité cyber pour adresser espace sécurité qui gagne la donne investissement dans capacité cyber offensif et défensif. Quatrièmement, donc service défense, yo spécial et spécialiste dans formation opérationnelle et équipement pour application gouvernement et militaire avec expertise yo dans zone en tant que reconnaissance et opération qui couvrit donc Zaminoyo. Et cinquièmement, donc dans question d'intelligence, de global service d'intelligence complet qui couvrit système intelligence humain, financier avec un cyber pour client gouvernement donc avec un privé Zami Faminoyo. Donc en sixièmement, nous est opération et critique donc pour mission yo supporté donc un environnement difficile avec service en tant que réponse avec désastre, construction site. OK, support médical ak opération logistique. Donc septièmement, zami fami nou yo. Donc un groupe ça et li concentre le tout nan mobilité. Donc un concentre li sous solution transport innovateur tan ko véhicule et qui connecté autonome. Donc nan phase sous avancement nan industrie automobile ak défense donc zami et fami nou. Mais point ça yo montrer concentration Studebaker sous créer solution impact qui vise donc pour résoudre défi mondial donc nan plaisir et donc secteur donc zami et fami a noué la caillou. Donc si que ou besoin joindre plus information donc des Studebaker ou ka et monter sur site officiel yo Studebaker Group et bien ou besoin plus information donc de compagnie ça que gouvernement lui-même li prend. Et bien nous te promettons que nous pral dire qu'il est que groupe ça lui-même te signé contrat avec et Gary Conny. Et bien faut que nous dire que Gary Conny te arrivé signé un contrat dans mois septembre 2024 là. Côté que Premier ministre là n'était rentré en accord avec Studebaker Group et une compagnie sécurité privée pour aider police nationale. Le partenariat ça était concentré sur formation donc avec mentoring. Mais li officiellement écrit comme un rôle consultatif. Cependant, il y a un rapport qui montrait que caractère contracté donc Studebaker Group yo te ka engagé directement dans quelques opérations police ça qui soulevait question sur rôle exact yo nan niveau donc implication yo nan affaires sécurité haïtien. Mais contrat ça li signé directement avec un ministre avec premier ministre là. OK, mais pas de gain la donne conseil présidentiel transition. Mais c'est là nèg yo vinn fâché, c'est là tout Gary Conny lui-même ni fait désordre là zami fami nou yo. Donc qui pas informé, donc qui pas vraiment informé donc en de accord ça. Et bien manque de transparence soulever inquiétude sous responsabilité donc spécialement donc sur question et qui contact et si contacté yo donc gain autorisation pour porter zam à qui gens yo est intégré avec l'autre force donc qui a supporté effort sécurité donc haïtien yo zami et famille nou yo. Donc c'est Gary Conny en septembre 2024 qui signé donc un contrat yo là. Donc on va avancer
Et pour nous dire aux amis famille Noël la caillou avant que nous faire autant de déclarations Gary Conier ben nous font garder comment que ça y est et dans élection présidentielle yo entre deux candidats yo et bien un candidat républicain Donald Trump qui refrappé encore mais sans que les pas avancé aucune preuve mais ancien président américain déclaré responsable électoral yo a utilisé vote Bonneyo qui c'est early voting pour faire magouille dans élection yo. Mais Donald Trump en fait connait que plusieurs bulletins vote citoyen yo voté dans la poste donc avoyer yo voté par mail yo illégitime même si les mêmes l'étape mandé partisans yo utiliser donc un moyen ça pour yo voter. Mais d'après CNN c'est une façon candidat républicain a fait pour mobiliser partisans liyo pour faire yo konnen élection pas légitime s'il t'a perdu. Vous avez causé? Eh bien, selon journal Forbes, Kamala Harris est capable et c'est deuxième candidat démocrate après 40 l'année qui a gagné État Caroline donc qui a remporté élection dans État Caroline du Nord d'après sondage jaune qui montre très serré que Donald Trump lui-même ni gagnon en avance de 1 point sur Kamala Harris dans État ça et qui vraiment serré mais selon analyste politique Nathan Silver Kamala Harris a gagné 90% chance pour ta gagner élection par rapport à Donald Trump qui gagne 80% chance si Kamala Harris gagne et État Caroline du Nord. Donc nous connaissons demain 5 novembre non, c'est jour dernier jour donc en question finale là pour question de élection yo amis famille et Anoué et la Caillou. Eh bien, nous te promettons que nous allons faire attendre déclaration que Gary Conier lui-même li fait côté que li exige pour mettre nèg yo de côté. Donc nous connaissons que Gary Conier et li gagné 4 mois dans tête pays donc il formé un gouvernement et CPT a gain 6 mois depuis que yo là mais nous pas pour ni yon ni l'autre et zanmi famille nou yo parce que yo tous les deux vini pour que yo géré en transition pour mettre sécurité pour organiser élection donc c'est mission que transition ça lui-même ni gagné mais nous voyons que conseil présidentiel depuis que yo t'es installé gain plusieurs bagages que yo pas fait. Premièrement, yo t'es supposé monter Conseil national de sécurité hein qui c'est un bagage qui primordial pour gérer sécurité hein, selon accord 3 avril hein. Et accord ça yo pas jamais publié. Donc pour qui ça que yo pas jamais publié li? Pour qui ça que monsieur yo pas nommé directeur général yo? Donc pour qui ça tout blocage ça yo? Et tout si que gagne nèg qui inculpé nan corruption ou supposé donc prendre disposition Jean que les Voltaire lui-même t'a déclaré donc ainsi que rapport là dit nèg yo inculpé donc y a forcé yo donc à quitter conseil ah mais c'est raison ça yo que c'est toute donc irrégularité qui gagne dans conseil là qui fait que Gary Conier dans moment que on a parlé là ka camper ou bien chita sur yon base pour le faire tête à tête avec un conseil présidentiel. Donc Jean que parole l'a dit retirer bout de bois qui dans jolan donc après pour mander l'autre retirer ça qui dans jepal donc si nèg yo té nettoyer la caillou yo té mettre yo clean yo té fait tout ça que accord là 3 avril l'a demandé pour yo faire mais actuellement là si Gary Conier après 4 mois là yo té jugé que Gary Conier lui-même pas kabay résultat que gouvernement pas fonctionné c'est dans bêtise que l'a passé moun donc yo t'a joindre toute base, yo ta gen toute raison, yo ta chita sou an 3 avril lan pou yo révoquer Gary Conier correctement zanmi famille a Noël Akayo. Eh bien, entendez, déclaration que Gary Conier li même ni fait. Donc pendant que il t'a parlé avec moun nan Kenskof et si que vous en commentaire, pas oublier quitter li en bas vidéo. Bon, histoire de Goumen avec CPT. C'est vrai que depuis à peu près 3 semaines nous avons des difficultés pour nous faire un conseil des ministres. C'est vrai que depuis 3 semaines, nous avons bon poussé pour que nous avons des différents qui semblaient que nous pouvons réconcilier. Par contre, il faut me dire tout que ce n'est pas toujours comme ça. Hein? Nous faisons criver, j'aime dire tout à l'heure,
une semaine nous mettons gouvernement, en quelques semaines nous mettons sous pied et nous font révision budgétaire, nous arriver l'ouvrir à temps pour nous gagner un budget 2024 là, nous travaillons ensemble pour nous et construire gouvernement, nous développer feuille de route ensemble sur lesquelles nous mettons d'accord. Et CEP sorti, nous et comité pour réforme constitutionnelle sorti. C'est vrai que 4 premiers mois, la collaboration était excessivement aisée et le gouvernement fait progrès. C'est vrai que depuis 3 semaines, tout, les plus difficile et nous avons une équipe bagaille que nous avons réalisé. Et certainement, je voulais dire que je crois que son période d'apprentissage et dans les prochains jours, certainement, je suis confiant que ça va certainement aller mieux. Semaine qui s'est passée là, je me dis ça, nous sommes fait vraiment toute semaine, on m'a fait rencontre avec secteur qui est impliqué dans les transitions, qui était bail représentant CPT, me font bon temps avec l'autre secteur société civile là, pour me comprendre et pour me comment me recentrer les relations sous la base de l'esprit d'un accord qui est un accord historique. Non, mais nous songer ça. C'est la première fois qu'un groupe parti politique qui en général était toujours là entendre non seulement son conseil présidentiel, mais arriver à entendre son premier ministre qui pas de partisan et arriver supporter un gouvernement. Et ça m'a dit non, je dis bon temps m'a réfléchi sur ça après rencontre moins faible. Moi pensais que si nous ca recentrer relation autour d'un certain point, nous gain de bonnes chances pour Ingang en fini. Premier bail là définitivement il faut que le conseil présidentiel a publié accord 3 avril. Accord 3 avril, là, c'est le non transition. Deuxième bail, il faut que le conseil présidentiel a ramené le secteur dans le dialogue. Troisième bail, c'est que je vais demander à CPTA, il faut que le publie au CAGLA. Au CAGLA, c'est une structure qui fait suivi, qui garde travail gouvernement avec travail président et qui assure transparence, assure performance. Au CAGLA, c'est une structure. T'es là encore 3 avril là, nous voulons demander conseil présidentiel là pour le publier. Quatrième bail là, nous demandé conseil présidentiel là pour l'accélérer mise en place conseil national de sécurité. Conseil ça va permettre une plus grande participation dans la question sécurité et nous avons plus grande visibilité et plus d'opinion dans jeune gérer sécurité. Cinquième bail là qui important, n'a pour demander conseil présidentiel là encore pour l'avancer rapidement. Sous nomination directeur général. N'a pas demandé pour l'avancer rapidement. Nous dit, ce n'est pas le cas de commune Kinskoff, mais dans la réalité, nous avons presque 48% de communes qui ont dysfonctionnement dans la mairie. Nous avons des mairies qui n'ont pas quand même dépensé l'argent parce que gen moun yo pa gen. N'a pas demandé encore, nous te proposé, Jean-Pierre Ofeli, c'est yo qui a choisi, n'a pas dit encore, avancer sous commune, qui n'a pas gen délégué, pas gen vice-délégué. N'a demandé pour avancer sous choix ça yo, ça permet nous retrouver harmonie. Mais très important, et ça m'a dit nous, l'on met oreilles à terre, l'autant des leaders politiques, l'autant des secteurs, l'autant des mouns qui suivent la situation politique là de près, l'autant des mouns qui perdent confiance dans l'État, nous demandé CPTA pour le trancher une fois pour toutes, sous cas, trois membres CPT. Qui est inculpé, l'encadre article 2 décret. C'est responsabilité CPTA pour le dire un mot sous ça. Parce que la population voulait ou est clair, voulait qu'on commence CPTA. Donc moi-même, mais ça me donne. Et je crois que si avec CPTA, nous arrivons à recentrer la conversation, nous avons retrouvé l'harmonie qui te permet de nous faire, ça nous fait durant ces 5 derniers mois. Mais plus important, monsieur la police, vous clair. Pour les policiers, je vous demande de faire vite avec le fonds spécial sécurité. L'armée à la police, là, pas qu'à attendre. Vous avez besoin des moyens pour continuer à mener le combat. Ça. C'était le remaniement, monsieur le Premier ministre. Et bon. Comment ça y est? Il y a une question CPTA, notamment l'actuel président, Leslie Voltaire, qui parlait de remaniement, bon. Qui compréhension et position sur ça. Cette question est tombée, nous sommes au courant de lui. Il a invité nous pour nous discuter de un remaniement de cabinet ministériel. Pour nous être capables d'avancer. Question là, ça lié son question bien simple. Nous pas contre remaniement du tout, au contraire. Mais nous avons un principe que nous avons qui respecter la situation. Je vais juste rappeler, nous, parce que c'est important pour Kinskoff, comment le gouvernement ça a monté. Comment le gouvernement ça a monté. La Constitution a dit que le Premier ministre choisit un gouvernement en consultation avec le président. Mais parce que moi-même, j'ai besoin d'un gouvernement vite,
Moi rentré, moi dit même conseil présidentiel là, n'a pas 14 ministres choisi 10 là-dedans. Et donc conseil présidentiel a choisi 10 sous 14 ministres. C'est comme ça que d'ailleurs ils ont choisi des hommes et des femmes avec lesquels moi très très fier de travail, dont par exemple ministre de l'environnement maintenant, dont par exemple ministre de travaux publics là, pas là que tu es supposé là jodi mais qu'en voyage. Maintenant là au fin choisi 10 là était 4. 4 ça nous mettait d'accord que 4 ça est tellement sensible, nous pas qu'à quitter ou instrumentaliser politiquement, n'a mettre des monde qui neutre. Donc nous dit m'a proposons non. Si le conseil présidentiel est d'accord, nous prenons. Si le conseil présidentiel n'est pas d'accord, nous proposons l'autre. Donc c'est ainsi que pour le ministre des Finances, nous choisissons un monde qui saute dans le Fonds monétaire, qui travaille à la Banque mondiale, qui a un profil international, qui a aidé ma partenaire technique et financier. Nous proposons non. CPT dit oui, d'accord, nous prenons. Et ainsi de suite pour les quatre. Le but, c'était d'avoir l'un ministère sérieux des mondes qui ont une certaine neutralité. C'est ainsi tout que la décision a été prise qu'un ministère qui est sensible, comme le ministère de l'Intérieur, qui toujours instrumentalisé dans la période d'élection, je me demande moi-même, comme je n'ai pas une affiliation politique pour Mkembel, et moi-même, je dis OK, et je me dis que tout ce qui concerne magistrat, tout ce qui concerne Azek Kazek, tout ce qui concerne délégué, vice-délégué, yo même entre eux, yo tap kachita pour yo choisi côté qui a une dysfonctionnalité. Côté qui a marché, quitte au marché. Côté qui a un problème, yo, nous gardons, nous identifions, nous changeons. C'est ainsi que moi, passé me présenter, on l'aide par eux, côté me dit, s'il vous plaît, choisis, nous avons besoin pour la collectivité pour nous faire le travail. Là. En conclusion, les amis, 80% du gouvernement, ce n'est pas la même lien. L'île en main, c'est pété. Yo. Et c'est comme ça, accord la télé, accord la sortie. Pour m'écouter. Je viens pour m'essayer, dans la mesure du possible, répondre à une question nous avons. Donc, je ne suis pas plus long que ça. Des Augustes, je te remets le micro. Vas-y. Merci beaucoup, Premier ministre, et merci en l'autre fois encore à nous, chaque qui là, à nous toutes qui fait déplacement. Tant qu'on me dit, il y a bien deux niveaux de questions. Il y a un premier groupe de questions qui a sorti parmi nous, qui a posé questions nous voulons. Et un deuxième groupe de questions qui a sorti dans le monde, qui a suivi un peu partout à travers le monde, sur les réseaux sociaux, en ligne, et qui a suivi le forum citoyen, ça pourquoi pas. Lancement officiel de Forum Citoyen. Puisque c'est nous qui là, et c'est avec nous qu'on a commencé, on a juste identifié nous, et puis on a posé question à Premier ministre et certainement à responsable gouvernement qui est présent avec nous aujourd'hui. Et il y a une question que nous avons lire, il semble qu'il y ait un rapport avec l'insécurité. Bonjour Premier ministre, moi c'est Rosie. PM, CPT a là depuis 6 mois, ou même à gouvernement, nous là depuis 4 mois. Maman enterrée, moi pas te gain temps aller dans l'enterrement li. Jodia s'est fait mort. Qui l'est m'a ka aller sous tombe li. Rosy, merci beaucoup pour question ça. Moi connaître que pour moun qui besoin la caillou, qui gain besoin retourner dans pays ou gain urgence ou 4 mois. Apparaît qu'en coup 4 ans. Et situation à vivre là, moi qui a dit nous que les grands aspects tragiques là, Dani, l'on regarde non seulement impact li sur le monde qui directement dans l'œil du cyclone de Gangyo, mais j'en ai dit tout à l'heure, donc pas quelques monde qui pas directement dans le côté nous gain acte de violence. Et exemple Ozia, son exemple palpable. 600 000 déplacés, me dit nous ça là. 700 000 déplacés, un plus proche. En pile là, yo mal ouais. En pile là, nan yo lan l'école Port-au-Prince. Et yo lan, yo prend comme lieu l'école Port-au-Prince. Yo là depuis pratiquement plus d'une année. Yo beaucoup kon ki le ap ka retourner la kayo. Pas rien travail. Y a vivre dans des situations extrêmement précaires. Et tous les jours, y a posé même question. À cause de situation ça a mangé pas qu'à sauter en province pour venir Port-au-Prince, ça fait prix manger pire. Moun ki malade pas qu'à joindre soin, mal l'hôpital général qui c'est centre de référence pays a. L'hôpital là pas fonctionnel. Moun pas qu'à dire nous combien fois dans journée, moi rencontre un haïtien ou haïtienne qui dit Premier ministre qui leur va l'ouvrir route sud là, qui leur va l'ouvrir route nord, qui leur n'a pas retourner la caille nous. Qui leur situation a pas, qui leur n'a pas et me senti moins vive
peine et angoisse mon zayo tous les jours. Bon l'autre bail tout que me vive tous les jours. C'est peine et angoisse famille policier qui prend balle et qui mourit pendant y a essayé protéger reste société. Donc pour moi pas besoin de dire non que son situation qui est extrêmement urgente et qui est extrêmement importante et qui demande implication tout le monde. L'homme vient me faire évaluation en question sécuritaire, m'a demandé 2 minutes pour sous ça. L'homme fait évaluation en question sécuritaire, il n'a pas bien bail nous c'est que nous pas gagne assez bras. Nous pas gagne assez bras. Le gars des police noirs, nous ouais nous gagne à peu près soit monsieur là, il a dit nous ça. Haïti gagne à peu près 70 police pour chaque 100 000 habitants. Donc sous prend Salvador Cap Goumé avec même crise là, il gagne 300 police pour chaque 100 000 habitants. Sous prend Salvador gen l'armée moitié population li gen 4200 militaires qui fait partie de force Cap Goumen contre bandi. Si n'a suivi nouvelle semaine passée à là gen brigand Salvador pour intervenir sous brigand li gen 500 policiers mais il pote 2500 militaires. Colombie gen 600 police pour chaque 100 000 habitants. Moi même en Haïti m'a Goumen avec 80 police qui vraiment baille nan mieux pour protéger nous. Donc premier problème moi c'est que me pa gen bras. Mais Haïti te gen l'armée. Chaque pi jeune yo gen droit pas songer ça mais nous gen l'armée. Nous te gen l'armée pour aider nous protéger tête. Nous te gen l'armée pour te marcher main dans la main avec la police. Nous te gen l'armée de l'air. Nous te gen la gen aéroport. Nous te gen l'armée qui te protéger de l'eau, nous te gen caserne qui te protéger frontière. L'un vini nous joindre que support indispensable ça pas là pas exister. On ka dit nous que dans tout pays dans zone qui gagne type de crise de gang ça yo. Le décrété état d'urgence, c'est parce que yo voulez renforcer police avec capacité ça que l'armée ba nous. Donc une nan urgence pour nous retrouver sécurité c'est pour un nous renforcer effectif l'armée. Et même là encore, parce que ça n'y a pas de nous là, son bagaille est guérilla urbain. Côté que nous sommes encastrés dans les quartiers, son position défensive, dans tous les pays du monde, nous avons besoin de retourner à l'armée. Donc, qui ça nous fait depuis m'entrer? Depuis m'entrer, je courir à la communauté internationale, je suis parti mal pour me dire que ni qualité ni quantité aide à bon, pas bon, pas suffisant, pas résoudre le problème. J'ai besoin d'hélicoptère, j'ai besoin de bon drone. M'gen des équipements que m'besoin qu'on refuse ban moi parce qu'on dit c'est l'armée seulement m'ka bay li. M'gen des équipements sophistiqués d'intelligence que m'besoin sous té bay la police là li t'a bon résultat mais là m'di yo comme ça que j'en approché assistance en général li pa permettre moi saute l'encrisement là. Nous t'ai fait mon promesse que m'tap gen 2500 moun en septembre. Septembre rivé m'gen 400 seulement côte reste là. Nous t'ai dit nous t'a aidé moi reconstruire mais moi reconstruire police moi engager moun côte support. Donc première priorité pour moi, c'était parti pour mal dire ami que pour monsieur t'ai fait nous dans cadre d'urgence yo pas kembel. M'voyer ministre affaires étrangères là descendre Brésil. M'voyer le monter en Belgique. Moi monter aux États-Unis. M'rel les amis dans San Salvador, m'parler à monde qui au Mexique, mobiliser tout monde moi connaît l'international là pour me dire que promesse d'appui ça urgent pour Haïti. Pour me dire que petit monde Haïti pas moins méritant que ti moun ki Ukraine. Ti moun en Haïti kap soufri, fam en Haïti a fait kadejak sou yo, fami kite la kay yo, yo pa mwen méritant que fami azami ki nan gas. Et que nous méritons même attention, nous méritons même effort, nous méritons même engagement. Évidemment, yo dou que bon, Haïti a pedil depuis longtemps, yo pa jan mwen progrès, yo gen 10 000 raisons que yo ba ou. Mais dans la vérité, communauté internationale la douane solidarité ça pays qui baille Jean-Jacques Dessalines Toussaint Louverture pays qui baille le monde l'indépendance jodi a nous gen droit à solidarité ça mais premier élément pour résoudre problème deuxième bail nous essayer faire c'est que nous avons problème d'équipement faut que de résoudre li rapidement monsieur la police vraiment a koumen à zong a presque il y a font travail qui à mon avis héroïque dans des conditions excessivement difficiles. Faut de améliorer conditions de travail. Faut assurer nous que les blessés yo jwenn bon traitement. Faut assurer nous que si par malheur yo mouri, famille yo pa laissé pour compte.
faut assurer nous que yo ka gen des bénéfices le pa ka travailler encore. Faut que nous travaillons pour assurer que yo ka avancer. C'est pour ça que nous créons un fonds spécial de sécurité qui bam les moyens pour mbay la police là avec l'armée sale besoin pour le ka faire travail. Deuxième urgence que nous arrivons à traiter. Troisième urgence que nous arrivons à traiter, c'est que pour la première fois nous mettons la police là à l'armée ensemble pour yo ka faire opération et pour yo ka consolider opération. C'est une urgence pour nous de faire le jeune là et je dis à nous faire. Sous 4 mois qui sont passés là, chers amis, sous 4 mois qui sont passés là, la police nationale d'Haïti actif sous 5 théâtres d'intervention en même temps. Nous travaillons pour sonder. Nous avons eu un cas. Nous avons essayé de défendre Solino. Nous l'agressions. Nous avons défendu Tabar. Nous avons alerte pour nous à droite. Nous avons voyé à droite. Nous voyons alerte pour nous à gauche. Nous devons nous comprendre, la police n'a pas fait ça. Si nous n'avons pas fait tout ça, nous capable en 3 mois, 4 mois, pour nous renforcer la capacité. Le montré, nous avons à peu près à 15 blindés. Je dis, nous avons des chiffres pour nous faire, mais nous avons beaucoup plus. Le montré, nous avons des moments où la police l'a dit, nous avons une semaine de stock de munitions. Je dis, ça ne peut jamais arriver pour nous avoir une semaine de stock de munitions. Le montré, la police a dit que nous manquons d'armes, nous manquons d'équipement, nous manquons de radio. Je dis à Mgadou que la police a beaucoup mieux équipé en ce sens. Mais c'est pas suffisant, c'est pas assez. Nous n'avons pas ça besoin pour nous mener une bataille. Nous avons besoin de l'autre drone beaucoup plus sophistiqué. Et nous en passe de gagner. Nous avons discuté avec l'armée sur l'équipement lui-même, les besoin, qui permet de nous joindre nos souffles. Côté nous, je dis à Mgadou, nous pas senti là. Côté nous, je dis à moun ki lan kan, m konnen ou poko sentil. M konnen moun ki poko ki tounen la kay li a poko sentil. Mes amis, m ka di nou. Côté nous, je dis à c'est pas l'année en juillet. Mais côté nous, je dis à c'est poko côté nous doyé. Et c'est pour ça tous les jours que Dieu baille. M gon paquet moun ki réuni, c'est sous ça seulement y a réfléchi. Et pour me répondre aussi, parce que m balé longtemps, mais pour m bon réponse direct à question posée là. Moins convaincu que si nous continuons à avancer, je n'ai pas avancé. C'est moins que tout ça. Avant fin année ou pas la caillou. C'est moins premier ministre Gary Conille qui dit ça. Mes réponses de débat. Merci. Ça c'est de Junior. PM CPT a convoqué ou parce que ou accusé ou que ou utiliser mercenaires pour combattre bandits. Qui ça un mercenaire? Mais ensuite côté vérité aïe, monsieur le premier ministre. Par contre, si mon qu'est-ce qu'on sait pour ça, vous êtes venu, mais comme question à tomber, n'a pas ni. Nous voulons lire ou bien, n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on fait plutôt. N'a pas parlé de tout et de rien. Nous connaissons mercenaires là. Mercenaires là sont mon ou ballon cob. Et puis, ils n'ont aucun intérêt idéologique, politique, dans le combat. Ils prennent cob là pour l'algoumer, pour la tuer. Pour la faire bailler vous. Garantie que je vais vous aujourd'hui pour me commencer. Pour me commencer, pour me répondre à une question directe, sans passer par bois. Pas gagner un mercenaire sous sol d'Haïti. Ça pas existe. Maintenant, je veux tout que nous connaissons. Que mon camp fasse apprend toute disposition. A fait tout ça la loi, ban autorité pour me faire. A fait tout ça dans la légalité, que la loi, la constitution, tout moyen que la loi ban moi. Pour me kembe Solino. Pour me kembe Akay. Pour me kembe Ponsonde. Pour me retourner sous CAF. Nan pour moyen légal que ma bran à ma disposition, que m'a pas utilisé. M'gade force police moyen. C'est lui qui guide moi. C'est lui qui dit ça le besoin, ça le pas besoin. C'est lui qui dit côté le coller, côté le pas coller. Responsabilité pam, c'est lui qui dit me coller pour me décoller. Maintenant question li relié à CPTA. Bon expression qui dit et m'pa konn si m'konnen bien non de ces mots qu'a rappelé m'ni. Comment on dit baïwa, l'enragé, rager gan pile oreille. Rager gan pile oreille. Et dans milieu n'a pas avancé là. Quand pile oreille. Qui ça m'oué depuis 4 mois? Policiers planifient opération. Ils prennent toute disposition pour faire belle opération. Avant de commencer l'opération, bandit gen t'en connaît. Qui ça m'oué au cours des 4 mois?
pas plus tard qu'avant-hier, nous et la police font opération quand elle prend une l'argent, c'est lui qui a distribué. Bon, tout dit nous ça. Plupart de policiers que moi, c'est nèg qui pour vinn servir, qui vinn bataille, qui vinn protéger. Deux trois grain nous gagne, c'est autant dit. N'a vivre une situation là à Kounia à côté Maringouin en volé, nous pas contre sac mal, sac femelle. Donc ça m'a dit là, ça m'a pas dit là, il y a deux soucis. Est-ce que si me dit m'a mettre police à risque? Est-ce que si me dit l'a mettre opération à risque? Mais ça guide moi dans ça me partager et dans ça me partager. N'a vivre un moment très drôle. Nous joignons que gagne monde qui t'a supposé à appuyer transition. C'est eux qui a essayé de faire transition en bas marche. Subitement, depuis 3 semaines, par contre, ça qui passé, mais moi, j'ai une attaque coordonnée dans 3, 4, 5 sites différents. Subitement, par contre, ça qui passé depuis 3 semaines, moi, je me rends compte que j'ai une mobilisation là, j'ai qu'à faire pour mobiliser base. Subitement, depuis 3 semaines, moi, j'ai un engouement pour mettre l'accent sur ça, gouvernement fait ou ça le va faire. Nous avons une situation à côté. En tant que chef CSPN, en tant que responsable décision concernée sécuritaire, nous sommes obligés très très prudents dans les gens de partager information, parce que nous, en 4 mois, que ça mettait opération à risque. Je vais permettre un petit exemple tout à fait personnel. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, les gens qui sont proches de mon entourage, tous les jours levés, sortis, pour mener avec. Pendant nous ensemble pour une photo, quelques jours après, mon formateur il me dit, nous on monte l'un dollar, est-ce qu'on qui monte lié? Le regarder dans le téléphone mon là, je joins tous les jours mon avec derrière les 2 toiles en chef bandit. Moment excessivement fragile. Demander des hommes d'État, demander des hommes responsables. Demandez des hommes tout cap tenu tête imputable bail au marché le pas marché. Demandez que leur discuter l'on conseil restreint ou pas sauter dans la rue et puis tout ça discuter à sortir. Et c'est ça nous fait. Donc nous avons retenu 3 bagailles. Moun qui pose question, hein. Dormez en paix. Pendant là pas bien mercenaire sous territoire haïtien. 2. Soyez convaincus que tout ça qu'a fait, toute ressource qui gagne, quel que soit côté lié, nous pourrons le chercher. Parce que nous n'avons pas perdu du territoire encore et nous avons besoin de retourner dans la caillou. Toi, oui, il y a des bagailles qui nous disent, il y a des bagailles qui nous disent. La situation est trop sérieuse pour nous laguer des informations qui sont capables de préjudiciables à policiers qui ont besoin de 100 euros pour nous. Je vais venir pour m'écouter. Je vais venir essayer, dans la mesure du possible, répondre à une question que nous avons. Donc, je ne vais pas plus long que ça. Des mercenaires pour combattre les bandits. Qui sont les mercenaires? Mais ensuite, côté vérité aïe, monsieur le Premier ministre. Par contre, si mon qu'est-ce qu'on sait pour ça, vous êtes venu, mais comme question a tombé, n'a pas ni. Nous voulons lire ou bien, n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on fait plutôt. N'a pas parlé de tout et de rien. Nous connons ça, mercenaire là. Mercenaire là, son mon ou ballon cob. Et puis, il n'y a pas aucun intérêt idéologique, politique, dans le combat. Il prend un cob là, pour l'algoumer, pour la tuer. Pour l'alphabet, vous. Garantie que je suis là aujourd'hui pour commencer. Pour commencer, pour me répondre à une question directe, sans passer par bois. Pas gagner, mais ce n'est sous sol d'Haïti. Ça pas existé. Maintenant, je veux tout que nous connaissons. Que le monde qui en face soit, apprend toute disposition. A fait tout ça la loi, ban autorité pour me faire. A fait tout ça dans la légalité, que la loi, la constitution, tout moyen que la loi ban moins. Pour me kembe Solino. Pour me kembe Akaye. Pour me kembe Ponsonde. Pour me retourner sous CAF. Non, pour un moyen légal que ma bran à ma disposition. Que m'a pas utilisé. M'gade force police moyen. C'est lui qui guide moi. C'est lui qui dit ça le besoin, ça le pas besoin. C'est lui qui dit côté le coller, côté le pas coller. Responsabilité pam, c'est lui qui dit le coller pour me décoller. Maintenant question,
li relié à CPTA. Bon expression qui dit et m'pa konn si m'konnen bien non de ces mots ka rappelé m'ni. Comment on dit baywa l'enragé rager gan pile oreille. Rager gan pile oreille. Et dans milieu n'a pas avancé là gan pile oreille. Qui ça m'wè depuis 4 mois. Policier planifie opération. Yo prend toute disposition pour faire belle opération. Avant yo commencer opération, bandi gen tan konnen. Qui ça m'wè au cours des 4 mois. Pas plus tard qu'avant-hier, nous la police font opération côté le prend un agent, c'est lui qui a distribué. Bam tout dit nous ça. Plus part de policiers que moi, c'est nèg qui pou vinn servir, qui vinn bataille, qui vinn protéger. Deux trois grain nous gagne au sérieux tande. N'a vivre une situation là à Kounia côté maringouin en volé, nous pas connait sac mal, sac femelle. Donc ça m'a dit là, ça me pas dit là. Il y a deux soucis. Est-ce que si me dit m'a mettre police à risque? Est-ce que si me dit l'a mettre opération à risque? Mais ça guide moi dans ça me partager et dans ça me partager. N'a vivre un moment très drôle. Nous joignons que gagne des monde qui t'a supposé à appuyer transition, c'est eux qui a essayé faire transition en bas marche. Subitement depuis 3 semaines, par contre ça qui passé mais moi m'go attaque coordonnée. Dans 3, 4, 5 sites différents. Subitement, je ne sais pas ce qui passé depuis 3 semaines. Je me rends compte que la mobilisation là, l'agent a fait pour mobiliser la base. Subitement, depuis 3 semaines, je me rends engouement pour mettre l'accent sur ça, le gouvernement fait ou ça ne va pas faire. Nous avons une situation à côté, en tant que chef CSPN, en tant que responsable décision concernée sécurité. Nous sommes obligés très, très prudents. Dans jeune partager information parce que nous ouais en 4 mois que ça mettait opération à risque. M'a permettre moi ban un petit exemple tout à fait personnel. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, moun ki proche moi dans entourage moi. Tous les jours levé, sorti pour mener avec. Pendant nous ensemble pour une photo, quelques jours après un formateur il me dit non, mon lando là, elles ont connu qui mon lié. Le regarder dans le téléphone mon là, je joins tous les jours mon navem derrière les deux toiles en chef bandit. Moment excessivement fragile. Demander des hommes d'État, demander des hommes responsables, demander des hommes tout cap tenu tête imputable bail au marché le bas marché. Demander que leur discuter l'on conseil restreint. Ou pas sauter dans la rue et puis tout ça discuter à sortir. Et c'est ça nous fait. Donc, nous avons retenu trois bagailles. Moun qui pose des questions. Hein? Dormez en paix. Pendant que nous avons pas de nerfs sous le territoire haïtien. Deux, soyez convaincus que tout ça qui a fait, toute ressource qui gagne, quel que soit côté lié, nous pouvons le chercher. Parce que nous n'avons pas perdu le territoire encore et nous avons attendu pour retourner la caillou. Toi, oui, il y a des bagailles qui ont dit. Il y a des bagages nous pas dit. Situation ça trop sérieuse pour nous laguer information qui capable préjudiciable à policiers qui baillent 100 euros pour nous. M'aller pour m'écouter. M'vin pour m'essayer dans la mesure du possible. Nous espérons que vous êtes ensemble avec nous de commencement à la fin. Donc vous te prenez tout le temps pour t'étendre des vidéos ça. Donc nous inviter au commenter. Donc quitter commentaire pour dire ça que vous pensez. Donc de désordre ça qui gagne dans pays hein. Donc Gary Conny a pas engagé compagnie de sécurité sans que li pas donc parler avec un conseil présidentiel là et conseil là bon côté palto donc qui gagne plusieurs inculpés et tout ça donc qui va les mettre négio de deux côtés parce que nous avons un membre dans conseil là qui jouit de présence négio donc en tant que Leslie Voltaire qui vient en président conseil là donc qui pas et prévoit pour le président mais donc en position que nèg yo vinn yé hein, donc vinn fait que li vinn président, c'est-à-dire que nèg yo pas ka président mais et Lesi Voltaire lui-même ni vinn joui rôle président même genre avec Fris Alphonse Jean même genre avec Laurent Saint-Cyr. Donc nèg yo joine avantage de trois nèg yo qui inculpé yo. Donc nèg yo senti yo confortable avec trois monsieur yo. Et bien si nèg yo veulent débloquer situation premièrement yo supposé fait ça à 3 avril donc retirer monsieur ça dans mi-temps yo nous voit que toute tendance là toute et opinion yo et surtout donc selon yon cadre moral yo supposé
donc retirer monsieur yo donc dans conseil zami famille yo donc c'est pourquoi abonner avec channel ça nous invite à abonner peser bouton de notification pour pas rater aucune vidéo et nous saluer tous amis nous qui peu partout dans monde là qui habitué ba nous love là qui apprécie travail que nous fait hein qui t'a moi même moi prochainement dans prochaine vidéo qui apparaîtra sur écran que moi invité au cliquer connia.